Le conseil départemental étant conscient des problèmes ou de la difficulté des apiculteurs, a proposé aux apiculteurs certains de leur terrain. Donc moi-même, j'y ai répondu favorablement puisque ça s'inscrivait dans un environnement où j'ai déjà des ruches. Donc Maison Feudon va disposer d'un rucher vers la digue du lac de Saint-Pardoux où nous allons installer un rucher d'une vingtaine de ruches. Et d'autres apiculteurs vont disposer de ruches dans d'autres emplacements appartenant au conseil départemental. Voilà, c'est en cours à l'automne. La mise en place des ruches va se faire à l'automne. C'est un partenariat qui va durer sur 3 ans. Je pense qu'on fera le point à la fin de chaque année. Mais a priori, il n'y a aucune raison qu'il y ait de difficultés particulières. Et en contrepartie, il m'a paru intéressant d'aller dans les écoles autour du lac de Saint-Pardoux pour les tenir informés de ce qui s'y passe. Alors j'intervenais ce matin sur la présentation auprès des élèves sur le métier d'apiculteur, l'importance des abeilles dans l'environnement via la pollinisation. Ces échanges sont particulièrement importants, on les sent très éveillés sur le sujet, ils ont tous entendu parler d'abeilles. Avec notre présence, c'est aussi d'approfondir tous leurs questionnements sur l'abeille, sur la pollinisation, sur ce qui se passe dans une ruche, sur ce qu'est le miel, les différents miels, le goût des miels. Donc ça nous paraît particulièrement important de le faire là où nous avons des ruches.